Nous sommes à ULM Cambay et nous allons avoir droit à un passage d'ULM justement qui vient d'atterrir sur la piste, mais est-ce qu'il va atterrir ou redémarrer? J'ai l'impression qu'il redonne les gaz. Voilà. Et il part. Donc voilà, il y a très peu de vent aujourd'hui. Ah là, il y a un autre avion qui est en train de se préparer là. Alors le soleil est descendant. Alors celui-ci d'avion est en train de tourner là. Voilà, alors donc il fait un tour, voilà, il s'est envolé, il a tourné sur la droite et il revient gentiment par la côte et ensuite il repart de l'autre côté de la piste pour mieux redécoller de nouveau. Voilà, il longe la côte. Alors il y a l'autre avion. Ah, il y a même un deltaplane qui se prépare. Donc il va y avoir un sacré balai là. Voilà, lui, il passe devant le soleil. Il fait son tour donc. Voilà, il va tourner comme ceci. Et re-arriver dans la piste pour redémarrer. Tandis qu'un autre là, il est en train de se préparer à décoller. De même qu'un deltaplane ici même, près de l'entrepôt. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un pet de vent, le manche à air est à sec. Allez, on fait le deuxième envol. Pas évident de... Il est passé presque à mon zénith, donc c'est pas évident. Voilà, il y a l'autre qui revient, le deltaplane qui se prépare. Je pourrais faire ça dans ma foulée. Bon, on refait le tour. Voilà, l'avion donc. Voilà, il tourne, il vire pour faire continuer son chemin. Alors là, l'océan, les épineux, la piste. Alors donc, ah, voilà, en bas, le deltaplane se prépare juste après l'atterrissage du deuxième, là, qui revient. Oula! Et il a un petit vent de face qui se lève, en fait. On va voir ça sur le manche à air tout à l'heure. Voilà, donc, il se pose pour mieux redécoller normalement. Hein. Voilà, il remet les gaz. Félix Guelem. Voilà, donc, allez, dans la foulée. Voilà, le deltaplane qui s'envole. Il passe presque à mon zénith. Lui, il vire directement. Ah, il remonte. Ouais, il part comme ceci, comme une petite libellule. Pendant que... Voilà, l'autre arrive.
Voilà, il va poser ses roues sur la piste pour mieux redécoller peut-être. Alors là, il est bien atterri sur le bout de la piste. Il a 150 mètres devant lui. Alors on l'entend remettre les gaz. À l'arrière, il y a le deltaplane. Voilà, toujours le même tour. Alors, toujours le vent très bas, comme le manche à air le précise là. Et nous allons avoir à droite un arrivage de delta plane, l'aile en V. Alors, il va raser le sol, ce qu'il peut très bien faire lui. Alors, il se pose, il remet les gaz. Voilà, il part droit, il vire vite. Et il se met en parallèle avec la piste. Voilà, alors là c'est vraiment le balai. Hein, et c'est... Alors viens, on va faire un peu la montagne là. On entend. Voilà, le soleil est descendu encore. Alors lui, il veut sans doute repasser parce que l'autre lui a cédé la place. Voilà. À mon avis, il se parle avec des émetteurs, des radios. Voilà. Alors nous avons le droit au troisième passage de l'ULM, suivi dans la foulée. Voilà, le deltaplane ici et l'ULM qui suit. Alors c'est assez intéressant. Ah, il met les gaz de nouveau. Passe devant le sol et lui passe. Alors lui part et le deuxième arrive. Là il remet les gaz. Oula, c'est marrant cette. Voilà, bon, lui, il se bat. Nous, on continue. Voilà, ben, on va arrêter, hein. Ça suffit. Allez, on stoppe.